أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطرفات بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Chers frères, nous sommes aujourd'hui le cinquième vendredi après le mois béni de Ramadan. Et nous avons parlé durant ces quatre semaines de quelle manière emmagasiner tout ce que nous avons reçu durant le mois béni de Ramadan. Et nous avons parlé du mensonge, de la bonté, du pardon, d'être équitable. Et la dernière fois, alhamdoulillah wa ta'ala, nous avons dit pour que tout cela reste dans notre vie, il était important qu'on n'oublie pas une chose qui est certaine pour chacun d'entre nous, et il s'agit de la mort. Et pour cela, nous avons dit, quand notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit que les cœurs deviennent rouillés, et quand on lui demanda, de quelle manière polir, ou comment enlever la rouille, décrasser comme vous voulez, et le prophète avait répondu Tilawat al-Qur'an wa dhikru al-maut. Ne pas oublier sa mort. Et donc, chers frères, nous allons continuer sur le même sujet. J'en ai parlé hier aussi pour les frères qui étaient là. Pour combien ce sujet est important, que c'est une maladie qui peut nous atteindre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Parle arabe. Analysons ensemble cette narration. Notre premier imam nous dit Ajibtu liman yansa al-maut wa huwa yara man yamut. L'imam Ali alayhi salam dit je me demande, je suis surpris par le fait que quelqu'un oublie la mort. Ajibtu liman yansa al-maut. Ya Ali, pourquoi dites-vous cela? Est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un oublie sa mort? Vous oubliez, vous? Vous oubliez, vous? C'est vous qui le dites, non. L'imam Ali dit il y a des gens qui oublient leur mort. Comment puis-je être à 100% sûr que moi je fais partie des gens qui n'oublient pas la mort? L'imam Ali dit « Ajibtu liman yansa al-maut ». Ce qui veut dire qu'il y a une probabilité qu'il y a des gens qui oublient leur mort. Or, qu'il voit des gens devant lui qui sont en train de mourir. Donc, c'est une maladie qui peut m'atteindre. Et donc, voilà pourquoi, combien il est important de ne pas oublier sa mort.
Mais nous pouvons oublier cette mort, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des maladies qui peuvent nous atteindre, et à cause de cela, nous pourrons, entre guillemets, nous pourrons oublier notre mort. Voilà pourquoi, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de la mort dans le Saint-Coran, ou par une des étapes de la mort, ou quand il nous parle du royaume de la mort, ce sont des versets uniques dans le Saint-Coran. Nous allons dire des versets mystérieux, tellement remplis de sens. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Hashr, c'est le chapitre 59 du Saint-Coran, verset 18, on en a parlé hier, verset 18. Voyez-vous de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Il nous dit « Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ta'ullah. » Oh vous qui avez cru, oh vous les croyants, et ta'ullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il dit après « Waletandur nafsum ma qaddamat l'irad » Que chaque personne se demande qu'est-ce qu'il a préparé pour demain. Qu'est-ce qu'il pourra présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite après, il dit quoi? Bismillah. Je répète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Qu'est-ce qu'il dit après? Encore! Wattakullah! Inna Allaha khabirum bima ta'amaloun. Au début, il nous dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il nous dit que chacun d'entre nous se demande que vont-nous présenter, que allons-nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous redit encore une fois Wattakullah! Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est certainement connaisseur de ce que vous entreprenez, de tous vos actes. Voyez-vous qu'est-ce que nous allons présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Nous dit, le livre s'appelle Nahjul Fasaha. Et je conseille à mes frères, nous avons tendance à connaître le fameux Nahjul Balagha. Là où nous avons les sermons, les anecdotes, les narrations de notre premier imam. Alhamdoulilah, nous avons une bibliothèque, nous avons Alhamdoulilah Haji, comment il s'appelle, Inayat. Nous avons Nahjul Balagha et nous avons un autre livre qui a été compilé par nos érudits qui s'appelle Nahjul Fasaha. Nous ne sommes pas dans un cours d'arabe. Il y a une différence entre Fasaha et Balagha. Et donc, Nahjul Fasaha, c'est une compilation des narrations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Et sachez que ce livre existe, je l'ai, alhamdoulilah, peut-être l'Hajj en vend aussi. Nahjul Fasaha. Dans ce livre-là, nous avons une narration qui nous vient de notre prophète qui nous dit إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَ النَّاسُ مَاذَا خَلَّفْ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَاذَا قَدَّمْ أَحْسَنْتُ. Quand quelqu'un meurt, les gens se posent la question, se demandent مَاذَا خَلَّفْ. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière? Il est parti. Il a laissé Mercedes, il a laissé palais. Il a laissé une femme, pour certains deux, trois, quatre. Il a laissé autant d'enfants, autant d'argent. Voilà ce qu'il a laissé, il est parti. Mada khallaf. Qalat innas, ou qal innas, mada khallaf. Mais les anges, ils demandent quoi, qu'est-ce qu'il a laissé? Ils se demandent, mada qaddam. Il est venu vers nous, vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec quoi? Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Qu'avons-nous préparé pour demain? Et donc, la réponse à la question que nous devons nous poser, ce n'est pas pour rien, la semaine passée aussi, je vous ai dit, le Coran n'est pas là que pour les morts. Le Coran n'est pas là pour être mis dans un armoire. Et à mes frères, aujourd'hui peut-être j'en parle pour la première fois, le jour de vendredi. Voyez-vous, dans le Saint-Coran,
Ce verset est connu par tout le monde. Mais il y a des mémotechniques pour pouvoir les mémoriser. Notre islam nous est venu par quoi ? Par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est de la mémotechnique. L'islam est venu par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et allons voir le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, avec le nom du prophète, il y a un chapitre en entier qui s'appelle Sourate Muhammad. Bien. Hassan, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc l'islam est venu par le biais de notre prophète, dont le nom existe dans le Saint-Coran, sur le chapitre 47 du Saint-Coran. Et nous, en tant que duodécimaire, le prophète avait 12 successeurs. Là aussi, c'est de la mémotechnique. Aujourd'hui, on va apprendre un peu. Il ne faut pas que j'oublie mon sujet parce qu'il y a trop de choses qui se mélangent dans ma tête. Comment faire ? Salut à la Muhammad ou à la Muhammad ? Salut à la Muhammad ou à la Muhammad ? Et voyez-vous, pour ne pas oublier tous ces petits signalements, incroyable le Saint-Coran. Voyez-vous, nous disons que Ashab Kisa était combien ? 5. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 33 صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Et donc أصحاب الكساء sont au nombre de 5. Allons voir sourate Al-Maïda, le chapitre 5 du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des narrations qui nous disent que le prophète a dit, après moi, il y aurait 12 successeurs de la même manière qu'il y aurait 12 successeurs après Moussa. Nous sommes Ashabul Kisa, chapitre 5. Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'il nous parle des 12 naqiba? Où d'après vous? Surat al-Maïda, ça je l'ai dit. De 12 successeurs, il nous parle où? Comme par hasard, chapitre 5, verset 12. Vous voyez combien c'est facile. Ashab al-Kisa 5, verset 12. Et dans le verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des 12 naqiba. Ça, c'est de la mémotechnique. De la même manière, quand il s'agit du Saint-Coran, nous avons tellement délaissé le Saint-Coran, chapitre 25, verset 30. Tout le monde sait ce verset-là. وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Mon peuple a laissé de côté ce Coran. Eh bien, n'oubliez pas, par le biais du prophète est venu ce Saint-Coran, et grâce à lui, nous nous disons qu'il a 12 successeurs. Et pour que tout cela reste ancré, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce du prophète بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. Et après, quand nous lisons Dua et Tawassul, là où nous parlons de nos 12 imams, nous avons besoin de nos 12 imams pour comprendre l'islam et le Saint-Coran. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, mémotechnique encore une fois. Ne pensez pas à vos imams une fois, pensez-y deux fois, double. Et vous allez voir, vous allez tomber sur quoi? 47, 24. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Muhammad, sourate Muhammad, verset 24, que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Saint-Coran? Ont-ils des cadenas sur leur cœur? Eh bien, le Saint-Coran est là pour être médité. Que nous réfléchissons sur le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre 59, verset 18, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il nous dit que chacun d'entre vous se demande qu'est-ce qu'il a préparé pour demain.
Moi, je me dis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, a dit deux fois, ittaqullah. C'est tout simple, pour moi. La première réflexion qui me vient est toute simple. Si, inshallah wa ta'ala, j'ai le taqwa que me demande mon Seigneur, je serai capable d'accomplir ce qu'il m'ordonne après. Parce que nous sommes tous croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si nous avons fait ce pas-là, si nous avons ce taqwa-là, au moins la moindre des choses de ce taqwa va nous faire ramener à une chose, c'est qu'au moins je vais réfléchir, qu'ai-je fait pour demain? Et donc première leçon, première réflexion, si je ne pense jamais à mon au-delà, si je ne pense jamais à ce que je vais pouvoir présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, je dois en déduire la première chose, que sûr et certainement, le taqwa qui a été requis n'est pas encore là. Même si je dis, je suis muslim, je suis mu'min, je suis muttaqi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, après iman, quand il nous ordonne le taqwa, voilà un résultat qui doit être là. وَالْتَنْدُ رَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Et donc, un bilan se pose. Et après que le bilan se pose, il y a un deuxième wattaqullah. Ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande, après que tu aies, sallallahu alayhi wa Muhammad, wa alayhi wa Muhammad, après que tu aies entrepris cette voie-là, après que tu aies fait ce pas-là, rebelote, et taqillah. Attention, il ne faut pas que tout cela se perde. Garde-les. Car, alhamdoulilah, tu as passé une étape. Et la preuve qu'il faudra se remettre chaque jour en question, c'est le verset d'après. Non, c'est la ligne d'après. Inna Allah khabirum bima ta'amaloun. Il est connaisseur de toutes vos actions. C'est-à-dire, après que je pense au moins, que pourrais-je présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, je dois être encore conscient, encore plus conscient, je dois faire encore plus attention en me disant, attaqillah, car il est connaisseur de mes actions. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Chers frères, nous en avons parlé hier, mais ce sujet est tellement important que le message doit aller pour tout le monde. Nous avons parlé la semaine passée qu'une des façons de se maintenir sur la bonne voie, ce n'est pas oublier sa mort. Et c'est une maladie qui peut nous atteindre, comme nous l'a dit notre premier imam. Mais que faisons-nous? Pourquoi arrivons-nous à oublier la mort? Et la mort est pour tout le monde. Et on ne sait même pas où elle va venir. Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'elle va venir, cette mort? Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qumran, chapitre 31 du Saint-Coran, verset 34, nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsun ma da taqsibu ghada, wa ma tadri nafsun ma bi'ayya ardin tamut. Personne ne sait, nul ne sait où il va mourir. J'en ai parlé hier. Cette narration est très importante. Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, « Iza aradallahu bi'abdin qabdan bi'ard, ja'ala lahu fiha haja. » Si la mort est prescrite, il n'y a pas le temps. Je donne des références. Chapitre 56, verset 60. « Inna nahnu qaddarna baynakum al-maut » et ainsi de suite. Le prophète dit, quand quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision, on a parlé hier aussi, pas hier, le vendredi passé, chapitre 39, verset, semaine passée tout ça, je répète le verset, بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Nous en avons parlé la semaine passée. Aujourd'hui encore une fois, chers frères, il est de notre devoir, n'oublions pas la mort, car c'est une maladie qui peut nous atteindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention, la mort va venir et il n'y a rien à faire. Mais j'ai dit, il y a des maladies qui peuvent nous atteindre. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre. Là où la mort sera décrétée, que nous y sommes ou pas, il y aura une excuse, n'importe quelle excuse, je serai obligé d'y aller, et là, la mort va m'attendre. Bien. Mais nous arrivons à oublier la mort. Voyez-vous, la mort, je suis obligé, ça me fait... J'ai tellement aimé ces paroles que j'en ai parlé hier, et aujourd'hui, on me dit, je vous en fais cadeau. Votre cœur va s'illuminer avec les paroles sages de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La mort, il n'y a rien à faire. Écoutez ce que nous dit le prince des croyants. Kitab Qurur al-Hikam. Donc, Najul Balagha. Qurur al-Hikam. Il nous dit, لن ينجو من الموت غني لكثرة ماله. Vous avez compris, les frères qui comprennent l'arabe? لن ينجو من الموت غني لكثرة ماله. Personne ne pourra échapper à la mort, surtout pas le riche. لكثرة ماله, parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais l'imam Ali, alayhi salam, n'a pas parlé seulement du riche. Il a dit aux pauvres aussi, attention à toi. Tu n'es pas un ange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges ont mort. Et donc il continue, il dit, « وَلَنْ يَسْلِمَ مِنَ الْمَوْتِ فَقِيرٌ لِإِقْلَالِهِ » Voyez-vous les termes utilisés ici? Encore une fois, ce n'est pas un cours de langue arabe. Pour le riche, Imam Ali alayhi salam utilise le mot l'anyanjoua, najat. Pour le pauvre, al-faqir, il utilise l'anyaslima min al-maut, al-salam. Là-bas, c'était échappé. Ici, c'était quoi? L'anyaslima. Hein? Il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. L'ikhlal, c'est pas parce qu'il a peu d'argent qu'il sera épargné. Mais il n'y a pas que cela. Encore une belle parole, encore mieux que ces deux-là. Et j'en parlerai encore, encore mieux que cela. Ça, c'est mon avis à moi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, troisième parole de notre premier imam. Voici une troisième parole. Les unes plus belles que les autres. Imam Ali salam dit, لو أن الموت يشترى لاشتراه الأغنياء. Vous en faites partie, vous? L'Agnia, les riches, vous êtes riches? Inch'Allah, tout le monde est riche. Même si Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah هو الغني وأنتم الفقراء. Nous sommes tous pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala qui est riche. Imam Ali salam dit, Allahu Akbar, لو أن الموت يشترى لاشتراه الأغنياء. Si la mort se vendait, si on pouvait négocier avec la mort, si la mort se vendait dans les marchés là-bas, là, 8 mai 45, Aubervilliers, je ne sais pas, dans tous les quartiers là, hein, le marché, si on pouvait acheter la mort, eh bien les riches l'auront acheté. Hier, quand j'ai parlé de cette narration, j'ai dit, d'après vous, pourquoi les riches l'auront acheté? Donc il y a, alhamdoulilah, une personne qui a dit, c'est pour pouvoir le revendre. Hein? Je dis non, ce n'est pas logique. Parce qu'au fait, quand il va acheter la mort, ce n'est pas la mort de l'autrui, il va acheter sa mort à lui. Et donc, s'il va le revendre, c'est pas bon. C'est pas bon, ça sert à rien d'acheter sa mort. Et donc, moi, j'ai dit ça, l'imam alayhi salam ne l'a pas dit, mais c'est moi qui fais rouler ma tête un petit peu. Et je me dis, là où annal mauta yushtara, si la mort se vendait, les riches l'auront. Acheter
pas pour le revendre, parce que les riches, il y a une façon de comprendre les riches, ils l'auraient mis dans un coffre-fort. Ils l'auraient acheté, ils l'ont mis là-bas. Toi, tu restes là-bas, tu ne sors jamais de là. On ne sait jamais. Après. On ne sait jamais. La mort, Allahu Akbar, c'est un sujet vaste, même le coffre-fort, les riches. Écoutez, comment faire? Je suis obligé, des fois, je sais, hein, ça fait 26 minutes, je prends beaucoup de votre temps, mais Inch'Allah, tout cela va... Fisabilillah, Inch'Allah. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Et alors même la mort, même le coffre-fort, il ne va servir à rien. Voyez-vous, il y a une personne qui vient voir notre premier imam, il nous dit, si je suis enfermé dans une chambre, hermétiquement fermé, est-ce que là aussi Allah subhanahu wa ta'ala va me donner ma subsistance? Et donc l'imam alayhi salam, au lieu de lui répondre en disant oui, il lui repose une question. Il lui dit, si tu t'enfermes dans une chambre, hein, scellée à double clé ou à 7 clés, hermétiquement fermé, est-ce que la mort pourrait t'atteindre? Et donc la personne dit, bien sûr. Et donc l'imam al-Islam lui répond en disant, eh bien ta subsistance viendra par la même voie où la mort te parviendra. Inchallah. Et donc même le coffre-fort, il va servir à rien. Chers frères, jusque-là vous avez écouté quelques narrations. Le plus important arrive maintenant au niveau de la mort, ne jamais oublier sa mort. Voyez-vous deux hadiths, j'en ai parlé hier, ce sont des diagnostics. L'imam al-Islam pose un diagnostic et en même temps il nous donne les médicaments, les remèdes. Écoutez ces deux narrations. Encore de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Les frères qui comprennent l'arabe, ouvrez grand vos oreilles. Parce que là, c'est du miel qui va tomber. Mashallah. C'est du miel qui va tomber dans vos oreilles. Notre premier imam, alayhi salam, nous dit « Man ra'al mauta bi'ayni yaqinihi ra'ahu qariba. Man ra'al mauta bi'ayni amalihi ra'ahu ba'ida. » Vous n'avez pas envie de faire un salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Peut-être il y a peu de gens qui parlent l'arabe. Ils n'ont pas bien compris la profondeur de ces phrases. L'imam al-Islam nous dit, celui qui regarde la mort avec quoi? Bi'ayni yaqinihi. Il est sûr et certain que cette mort va venir. La certitude. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la mort toute proche. Maintenant. En face. Dans quelques temps. Mais celui qui voit cette même mort avec quoi? Espoir. Comme j'ai dit hier, ça n'arrive qu'aux autres. Peut-être, peut-être. Dans Umul Kitab. Umul Kitab, vous savez, Umul Kitab. Chapitre 13, verset 39. Encore de la mémotechnique. Fois 3. 13, fois 3. Et là, Allah, l'imam Ali, c'est encore l'imam Ali, que je suis obligé. Imam Ali Islam dit, s'il n'y avait pas ce verset dans le Saint-Coran, le 13, 39, je vous aurais prédit tout, dès aujourd'hui jusqu'à la fin du temps. L'imam al-Islam a dit, à cause de ce verset-là, le 13-39, je suis bloqué. Allez, vérifiez ça, lisez à la maison de quoi il s'agit. Je vous ai donné la référence, chapitre 13, verset 39. Ahsan, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc je disais, ra'ahu qariba pour l'un, et Rahu Baïda pour l'autre, en se disant que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit pour moi que toi tu seras éternel. Et donc, chers frères, voyez-vous, le diagnostic est là.
Si je n'arrive pas à penser à ma mort, à ce que je pourrais présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit « وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِنَفْسُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ » Si je n'ai pas ce réflexe-là, cette réflexion-là, cette tendance-là, cette méditation-là, eh bien, que je sois sûr et certain que le yaqin qu'il faut, je ne l'ai pas. Et je fais partie des gens qui, des fois, pas tout le temps, des fois, oublient sa mort. Parce que le yaqin n'est pas là. Et il y a d'autres, avec le regard de l'espoir, qui arrivent à voir quoi ? La mort est lointaine. Elle est très loin. Elle ne va pas m'arriver. Et donc, chers frères, penser sans cesse à sa mort, c'est un devoir religieux. Et que la question se pose tous les jours, à chaque moment. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pourquoi a-t-il dit sallu salata muwadda'? Quand vous accomplissez vos prières, accomplissez-les de telle manière en se disant que ce sera ma dernière prière. Et il n'y a pas que cela, le sujet, on peut l'élargir. Tout cela, je vous donne les mémotechniques à la maison, réfléchissez-y. Ouais, le temps est fait, Inch'Allah. Réfléchissez à la maison. Nous, nous qui sommes croyants, et j'en ai parlé dans mes discours, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous met en liste les qualités, sifatul mu'minin, dans suratul mu'minun, le chapitre 23, le premier, la première qualité, il nous dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun 23:1. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants, première qualité, fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles, sincères dans leur prière, qui sont-ils? Ya Allah, al-Qur'an yufassiru ba'dahu bi ba'dih. Si nous nous posons la question, Ya Allah, qu'est-ce que Al-Khaja'in ? La réponse, elle est où ? J'en ai déjà parlé dans mes discours. Oui, dans le Coran, bien sûr. Où est-ce qu'il se situe ? Ahsad, barakallah fik. Vous voyez, au moins, je me dis que mes discours ne vont pas vain. Chapitre 2, verset 45-46. Allah subhanahu wa ta'ala, et je finis là-dessus, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabr wa salah, innaha la kabiratun illa... على الخاشعين الذين الخاشعين سكي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. La mort avec la prière. إن لله وإن إليه راجعون. J'ai dit je finis mais il reste encore. نهج البلاغة. Je finis. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. Premier imam dit « Inna qawluna inna lillah iqrarun ala anfusina bil milk » Nous le disons « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Chapitre 2, verset 155-156-157 « Wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Ali alayhi salam nous dit « Inna qawluna inna lillah iqrarun ala anfusina bil milk » Quand nous disons « Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala », nous attestons sur nous-mêmes. « Bil milk » Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est normal qu'il nous reprend. « Wa qawluna wa inna ilayhi raji'un iqrarun ala anfusina bil hulk » Et quand nous disons que nous y retournerons vers lui, c'est une attestation à notre encontre et nous nous disons, bil hulk, nous allons tous périr. Chers frères, la mort est certaine et ne jamais l'oublier. Si nous avons chaque fois, il y a tellement de choses. Je finis. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول الله
حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا لا خير الامل حيا لا خير الامل الله اكبر الله اكبر.